Je grommelle qu'on aille un peu sur les derniers jours de Monsieur Olimar, enfin surtout de son aventure épopée si je peux dire. Bah du coup je me demande vraiment comment il a fait pour s'en sortir. Et bah on va découvrir cette réponse. C'est grave, Lego Secret, on est là pour l'épisode sur Pikmin 4 et du coup c'est parti. Bah donc là il y a vraiment que deux jours. Et c'est parti pour faire le refuge du héros. Donc là c'est un moment où il y a vraiment genre les dernières pièces. Mais attends, là c'est sûr là que par exemple pour récolter les dernières pièces, là c'est totalement mort. Mais au moins je peux dire par exemple essayer de récupérer entre 2 ou 3. Limite 4. Mais au moins, je peux dire un gros paquet. Donc, oui, littéralement, je me dis que là, on est vraiment sur, il reste que 2 jours. Ensuite, il reste un seul jour. Mais quand il y a le jour restant, c'est 0. Littéralement, c'est finito. Finito ? Totalement finito. Bon. Donc, je me dis que c'est carrément, il faudra vraiment, genre, c'est plus analyser le terrain. Et, ok, le refuge, c'est là dans la maison. Dans la maison. Ah oui, c'est vrai. Dans la maison du début du jeu. Et c'est là littéralement où... Mais oui, oui, c'est bon. C'est bon, je me rappelle. Mais totalement. Mais oui. Totalement. Ces régions ont quelque chose de différent avec les autres lieux que nous avons explorés. Et oui, c'est littéralement c'est le premier. Eh mais où allez-vous comme ça Les Pikmin carrément se barrent, tu sais pas pourquoi. Et ça c'est totalement, je peux dire, l'intro. Et c'est là, par contre là, il faudra un peu, je peux dire, remanier tous les Pikmin qui ont été égarés. Bon. Très bien, allez, c'est parti mon kiki, hein. Oh, voilà qui ne me plaît pas du tout. D'habitude, les Pikmin ne s'enfuient pas de ton licence comme ça, hein. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à les rappeler au fur et à mesure, tout en cherchant les pièces qui me manquent. Ouais, c'est bien la seule solution. Oui. Hop, on monte dessus. Et donc, du coup... Ouais. C'est dans la maison. Pour d'abord. Déjà, ménage. Ramenez-vous. Voilà, on ramène petit à petit. Je vois pas de bleu dans les parages. Il va faire tout de même. Allez, rabolez-vous tous. Ah, mais il faut vraiment aller rechercher ces Pikmin, non? Non, c'est bon. Allez, on raboule. Allons tous carrément les rechercher. Allez, hop. Ok, on doit avoir alors battre cet ennemi, hein. Cet ennemi qui te balance des pics. Bon alors. Bon attends, hop. Et hop. Non mais tous ces Pikmin qui sont égarés, hein. Qui sont tous égarés. Et après, il doit rester un petit paquet qui se trouve là. Ensuite, normalement, c'est bon. Bon, allez. Alors, on voit cet ennemi du cul. On voit cet ennemi qui te balance des pics. Allez, hop. Oui. Bagarre! C'est de la bagarre! Alors on attend. Voilà. Et on tape. Et
et battu. Réglé. Parfait. Oh, parfait. Oh, mais c'est l'heure, mais c'est l'heure d'entrer dans mon vaisseau. J'ai enfin trouvé. Avec CPS, je vais pouvoir lancer un appel à la détresse. Parfait. Et... Oh bah non, Dieu de Dieu, il est revenu, lui. Le glouton d'or. Lui, c'est vraiment le truc comme le nifleur, mais sauf que lui, il, genre, il prend pas l'or, il la cache. Lui, c'est carrément, il la lèche, et il la mange, et il la bouffe. Parce qu'on sait même pas s'il chie. Si, quand il chie, il fait comme ça. Voilà, c'est rajouté. Tiens, d'où sort cette créature? Est-ce que sa présence qui a fait que les Pikmin et l'Onion se comportent bizarrement? Ouais, bon allez. Hop. Oh, attends, petite minute. Alors vous, prenez-vous ceci, et vous, ceci. Alors, pourquoi il tourne en rond? Pourquoi? Pourtant, c'est facile, le chemin, il est ici. Bon. Attends, tu vas pas me dire que je devrais lui taper encore la gueule. Attends, inventaire. Non, j'ai plus rien. Un petit truc de glace? Non. Attends. Un petit coup de foudre? Non. Bon. Allez, c'est l'heure de taper la gueule encore. Toi, tu vas t'en prendre une petite bombe de glace. C'est pas suffisant. Lui, il va trop lourd. Prends-toi de la foudre. C'est vrai que moi, je suis pas nu pour ces conneries, hein. Il est chiant lui hein. Nya. Hop là. Il y a un Pikmin qui a fait mourir, j'ai entendu hein. Cela prendra, tiens. Et ok, d'accord, je me dis que si en gros ils pouvaient pas venir là, c'est que c'est ça et ok, c'est bon. Je suis logé. Les Pikmin et l'Onion semblent avoir retrouvé leur état normal. Bon, rattrape en passant le vaisseau de ce précieux radio stellaire. Ouais, merci. Bon, attends. Bon, attendez. Hop. Cassez-moi ces pépites. Cassez. Et on casse encore celui-là. Aussi, casser encore celui-là. Mais par contre, allez, nectar pour tous. Et hop. Hop. Ensuite, hop. Voilà, et maintenant. Attends, nectar pour tous. Non, bon allez.
Apportez-moi cette grosse créature. Bon, pendant ce temps, allez, on te la transporte là, et on accélère. Tu peux pas aller rejoindre les autres, hein. Mais d'où ils vont faire le tour? Ok, et non, attends, y a pas un petit problème là? Attends, mais comment je fais pour les amener tous là? Oh non de Dieu. Bon, déposez tout ici. Déposez tout. Est-ce qu'on va en faire pareil? Ouais, ils vont tous pareil. Bon, au moins, on les stationne ici. Oh Chine, c'est bon. Au moins, ils sont stationnés. Ils sont mis quelque part. Bon, attends. Déjà, bon, on va poser ce carton. Et ensuite. Et ensuite, il faudra poser cet autre carton. C'est grave relou, hein. Allez, hop. Et donc là maintenant, hop, on pose ce carton. Et ok, pas d'autre choix. Faudra qu'on s'occupe de ces cochons de glace. Un ici. Un autre là. Maintenant, je peux activer ceci et déplacer ma base là. Maintenant, on va pouvoir maintenant s'occuper pour tous les monter. Attends. Qu'est-ce qu'ils foutent le reste là? Et maintenant, vous me transportez ceci. Et le reste, vous me transportez cela. Alec le. On déplace tout. Alec le. Voilà. Et allez, je crois qu'il peut aller ensuite sur les derniers mètres. Bon. Il y en a qui peuvent transporter ceci. Et d'autres peuvent transporter cela. Voilà. Hop. Allez, apportez-moi ce gros truc et c'est réglé. Pendant ce temps-là, Ochino, tu vas m'occuper de casser ceci. Voilà. Et donc, du coup, alors si je récapitule, donc là, on tout est récolté. Bon, attends. Allez, le petit dernier pour la route. Allez hop. Allez, on transporte ce petit dernier. Et c'est réglé. Pour moi, c'est tout bon. Bon, ben, comme un rappel. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont faim? Voilà. Et donc normalement, c'est bon, tout a été récolté du coup. Allez, on range tout le monde. Comme ça, tout le monde est mis rentré. Et donc, abandonnons un tout petit peu. Il y a une corde. Là, il y a ceci. Il y a cela. Et à mon avis, si je vais en haut, c'est pour souffler autrement. C'est ça? Attends, y'a quoi dans ce tunnel en fait? Attends, laisse-moi checker. Hop! Ok, t'as une pastèque éléphant. Ou un éléphant pastèque. Il est ici. Et donc. Ok, pour une autre pièce. Ok, y'a une pièce qui se trouve ici. Bon, au moins c'est noté. Je sais donc ce que je pourrais faire au coup pour le prochain et dernier jour.
Au moins, un élément du truc est parfait. Et mon de glace. Ici le capitaine Olimar. Mon vaisseau s'est écrasé sur une planète inconnue au conflit de l'espace. Si vous recevez ce message, merci de m'envoyer de l'aide au plus vite possible. Pourvu que mon SOS parvienne à l'équipe de secours. Et Paranda, attention. Un jour, il reste un jour. Pour quand tes potes y passent, on profite encore dans la rue, la mort approche à petits pas. Bon, c'est bon, j'ai pas rajouté sa dernière couche. Bon, allez. On est en partie, alors attends. Donc, j'ai trouvé une pièce là qui se trouve ici. Donc, il faudra carrément aller avec les Pikmin là. Avec les Pikmin là. Les Pikmin. Mais du coup, par rentrant avec un couteau, tu fais comment? Le jour fatidique est arrivé. D'ici ce soir, le système de combinaison devra cesser ses fonctions. Même si je ne pourrais même pas récupérer toutes les pièces manquantes, je devrais quand même tenir ma chance et décoller. Au point où je suis, je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Ouais. C'est vraiment le dernier jour final, hein. Alors, un petit vin. Un petit vin aussi. Hop, et c'est tout. Non, allez. Non, mais prends le tout. Voilà. D'abord, on va récolter par exemple cette pièce qui se trouve ici. Et voyons voir si je peux en trouver par exemple une autre. Voit-on. Ok, t'as une pièce qui se trouve ici. Donc à mon avis, ça, je vais noter. Je place un marqueur là. Ensuite, t'as une pièce qui se trouve ici, je vais noter là. Et l'autre là, c'est là où je fonce tout de suite. Et hop. Ouais. Par ici. On chute. Ouch. Voilà, et donc, ouais, pendant que eux ils peuvent s'en occuper, nous on descend. Alors, attention, est-ce qu'ils vont faire une chute? Ouais, ils descendent tout doucement. Bon, allez. Allons retrouver Moss. Du coup, voyons voir comment je peux régler par entre là, donc ce truc. Comment je fais pour monter? Comment? Peut-être en croisant par ici. Ouais. Il va carrément creuser ici et comme ça sera réglé. Bon, toi, Moss, tu vas t'occuper de lui. Attends, Moss. Non, Moss, reviens! En fait, toi tu vas foncer et tu vas les péter. Bon, à mon avis, ils ont fini. Et hop, dans le trou. Ouais, et on atterrit dans la cuisine. Dans la cuisine. Et non, je veux pas ressortir. Et hop, on rentre dedans, voilà. Et ensuite, on ressort par ici. Déjà, hop. Voilà. Et donc, voyons voir. Bon, j'ai pas trop ton choix, allez. Conseillez-moi ceci. Pour l'instant, je fais une chute. Je vais m'occuper de ce console de glace. Et eux, ils passent tous par là. Non, c'est tout bon. On vit tout de même. J'en tout de même la sécurité. Voyons voir. Si je monte à cette corde, ça m'aide. Pour les matériaux, bon ok, je m'en bats les couilles, donc ça sert à rien. Allez, tout le monde vient. C'est bon. Bon là, jusque tiens, on tient. Vraiment, je veux dire, on tient.
Parfait. Il manque maintenant. Apporte-moi cette pièce. Ouais, t'es casse-couille, hein. Et ça, ça met où? Oh nom de Dieu. La machine démoniaque. Oh, pudding de glace. Attends. Attends, demi-tour. Voilà. Ensuite, on descend. Et ouais, ok, ça nous amène depuis ici, c'est bon. Il y en a un qui est vraiment qui était resté au ras des pâquerets, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, apporte-moi le dernier truc et ensuite allons affronter ce robot mécanique, hein. Voilà. Oui. Allons lui régler son compte maintenant. C'est une beauté des culs. Et du coup, on vient par là. Alors, attention. Non, mauvaise idée. Non, on voit jamais des trucs comme ça s'il prévoit de tirer avec sa Gatling. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Attention. Attends. Voilà. La mitraillette. Et on court. Voilà, là on peut attaquer. Voilà, c'est bon. Il veut dire que j'ai perdu comme des cons là, alors que pourtant il y avait la mitraillette. Oui, hop. C'est bon. Bon, alors voyons voir. Alors attends, si je récapitule. Au niveau de la carte, donc ça, si ça c'est réglé. Ah, il y a un truc qui se trouve ici, ok. Bon alors. Voilà. Qui s'apporte au coup l'autre pièce et peut-être qu'on va s'occuper pour s'occuper de ce dernier. Hein. Allez-y, Pikmin. Et du coup, voilà, on a 27. Tout le monde monte et. Non, prends les Pikmin. Voilà. Allez, on y va. Bon, on va essayer de récupérer cette 28ème pièce. La 28ème, et si on réussit, au moins c'est victorieux. Bon, moi j'avoue que 27 pièces, au moins c'est parfait. C'est nickel chrome. Hop. Voilà, allez. Apportez-moi cette dernière pièce. Hop. Bon, allez, on envoie un peu ce qu'il y a par ici, là. Ah, il faudra accélérer, là. Faudra accélérer. Et donc, là, il monte. Oh, mon Dieu. Éléphant pastèque 2, c'est mort. Voilà. Et là, du coup, normalement, ils devront passer dans ce tuyau. Et voilà. Bon, attends. Alors, attends. Je vais mettre ici. Faire un arbre palisé actif. Parce que l'autre, je sais du tout pas ce qu'il a foutu. J'ai aucune idée.
Mais bon. Et si je fais normalement le truc... Ah mais c'est vrai que j'ai tout oublié qu'il y avait celui-là. Mais pour ça il faudra donc des Pikmin d'électricité. Et par exemple t'as un truc ici, alors attends. Je suis à bord celui-là qui est 28, en fait t'as le 29, et le dernier se trouve carrément là. Ok. Alors attends. Hop. Bon, easy. Les Pikmin en raboule tout. Raboule tout. Et ok, le dernier se trouvait ici. Bon, donc on y est. Allez. On rapporte tout le gros machin et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je tombe les diables? J'avoue que je peux tenter un peu le diable. Voilà. Ouais, je peux tenter le diable, allez. Allons-y. Soyons fous. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est totalement mort. Allez hop. Déterrage. Et c'est tout bon. Parfait. Bon. Au moins c'est bon. Et ben on a fait un peu le tout. Hein. 28 pièces. C'est-à-dire que si en gros j'avais eu le temps, j'aurais fait 29. Mais attends, celui-là c'est le 30. Et... Ok, t'as le coffre qui est déjà ouvert. Mais attends, tu fais comment pour accéder à celui-là? Comment tu fais? Alors, soit il y a une corde et... Ou sinon, c'est la plateforme qui se trouve en haut. Ok, donc je me suis mis des Pikmin d'excité et que j'avais un peu plus de temps. En fait, j'aurais carrément pu, genre, par exemple, utiliser les Pikmin d'excité pour prêter ces deux dernières pièces. Et comme ça, ça aurait fait 28. Ok, c'est noté. Bon, bah malheureusement, c'est un peu limite trop tard, j'ai envie de dire. J'aurais pu tenter le diable, mais bon. Attends, laisse-moi quand même aller regarder. Laisse-moi aller regarder. Donc si carrément je rentre là-dedans et que j'y vais par là, vous voyez que t'as l'électricité qui est là. Et donc littéralement, si j'avais des pigmines d'électricité, oh t'as l'électricité qui est là, t'as ici et t'as ce parfum qui vient là et ok c'est bon. Allez, on y va. Et c'est fini. Et on aura carrément exploré toutes ces maisons qui sont par là. Allez, le moment véridique. Oh, les Pikmin, quoi. C'est bon. C'est parti. Bon, normalement, 28 places, c'est censé être assez. Hein. Attention. Prêt? Décollage. Alors, si vous vous êtes arrêté maintenant, vous devrez tenter de quitter la planète sans avoir récupéré toutes les pièces. Attends. Si vous vous arrêtez maintenant, vous devez... Attends, tenter de récolter sans récupérer... Attends. Vous devez tenter de quitter la planète sans avoir récupéré toutes les pièces. Pourriez-vous recommencer la dernière journée d'exploration? Décoller malgré tout. Allez, je suis sûr que ça peut suffire là. Je suis sûr à 100%. Hein. Je suis sûr. On dit, je suis sûr à 100% que là je peux y arriver. Hein. Ouais, bon, là c'est clair que pour le coup, pour cette dernière étape, t'es obligé d'être Dandori. Hein. Dandori, sauf que t'as tellement parfois des ennemis qui sont au pif là que parfois t'es obligé de les régler. Après, c'est clair que les ennemis c'est pas le plus important. C'est parti! Ah, non. Non, il m'a dit ta gueule, non, c'est pas suffisant. J'ai essayé d'effectuer un décollage avec un dauphin pas entièrement réparé. Mais malgré mon utilisation de l'espoir d'espérer, il s'est à nouveau écrasé. Donc littéralement, c'est game over.
Ouais, Game Over Total, et donc du coup, c'est pour ça que par entre là, Olimar, enfin c'est de là donc qui est né Olimar Fuyu. Oui. Et voilà, Olimar Fuyu est né. Tu crois vraiment que les Pikmin là sont devenus des extraterrestres maintenant? Et du coup, c'est comme ça que Olimar Fuyu est devenu comme ceci. La réparation a échoué. Ouais, donc il me reste en gros, c'est manquer ces deux pièces là pour faire ceci. Et ouais, bon, ok. Ah ouais, on va refaire ma face. D'accord, ok. Et là, c'est tout le tralala, si je peux dire. Tout le tralala du tralala. Oh, mais c'est clair que Ochina, c'est carrément celui que t'as vraiment le plus besoin. Entre pousser les ennemis, les trucs et sautiller. Hein. Mais bon, au moins, on a réussi. Et surtout que, ouais, en gros, j'ai bien l'impression que les poupées d'Olimar, c'est vraiment. Oui, enfin, la retour de Lima, c'est un truc là où ça reprend, je peux dire, le concept aussi du premier jeu. Littéralement, le truc où t'as un nombre de jours limité pour se récupérer le nombre de pièces de puzzle et tout. Et. J'avoue que c'est carrément sur le point. Mais bon, au moins, je peux dire, c'est. On a fait le tour. On a fait le tour et. Non, mais clairement, si j'avais un peu de temps pour aller récolter les deux pièces dessus, littéralement, j'aurais pu décoller. Mais est-ce que ça aurait été scripté? Genre scripté que même si c'est important, t'as toutes les pièces de puzzle, bah en fait tu te craches tout de même dessus. Mais oui! Il peut y avoir que ça comme solution. Et c'est comme ça que je suis finalement écrasé sur cette planète, puis transformé en Fuyu. Si je pouvais revenir au premier jour et tout recommencer, réussirais-tu à m'enfuir cette planète, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je sais maintenant? Exactement. Mais attends, si je fais parler, c'est quoi? Tout c'est pas bien, je suis sûr que je retrouverai un moyen de soigner Ochino. Non. Si je fais écouter l'histoire, est-ce que c'est je recommence tout? Ouais, c'est plusieurs trucs là où tu recommences ici et... Ouais, donc littéralement. Ouais, bon, ok, c'est bon. Merci à toi, Olimar. Monsieur Olimar. Et donc du coup, voilà, on a fait un peu le tour et... Ouais, bon, très bien. Alors vraiment, Mick, je me dis que... L'épisode prochain, on va faire littéralement, je veux dire... Littéralement, le dernier tour pour la route, qui est d'aller affronter Louis. Mais je sais pas qu'est-ce que vraiment, genre, de quoi on va affronter. Mais c'est vraiment un gros coup de maison. Mais bon, franchement, littéralement, ben, j'aurais dit, ça aura littéralement presque duré, à la limite, un an. Je me dis, ah non, mais je suis pas sûr. Mais bon, littéralement, voilà, et c'est clair que... Alors attention, donc, c'est, on enfonce Louis, normalement, c'est censé être l'épisode final. Mais ça, je prends comme au coup un extra 1, pour un peu faire un peu le débrief, et surtout que là, le best-of, il resterait d'être le plus long de ma chaîne. Mais bon, en même temps, c'est vraiment aussi une sorte d'une grosse aventure. Bon, allez, c'est la fin de cet épisode, donc, sur Pikmin 4. Like, comment, partage, abonne-toi, clique cloche, ça sera tout en TikTok. Et littéralement, on peut dire que l'épopée de Olimar, lui, il aurait été assez fou. Hein. Mais dis donc, lui, vraiment, il se casse le cul pour arriver jusque-là. Mais bon. Bon, allez, tchuss. Et je dis que vraiment, c'est dans le prochain épisode, on va faire le combat avec Louis. Et pour ça, on sort avec Boogie, notre cher Ochino.